dit ça pendant l'exhortation de pendant la journée. Là. Premier Pierre chapitre 4, verset 7. Premier Pierre. La fin de tout est maintenant proche. La fin de toute chose est maintenant comment? Proche. Vivez comme des sages. Voilà. Et consacrez vos soirées à la prière. C'est fini. Reviens. La fin de tout est maintenant proche. Écoutez, on commence avec une parole. La fin de toute chose est proche. La fin. C'est-à-dire qu'on nous indique le temps. On nous indique le moment actuel pour que vous puissiez comprendre. Et comment on doit s'appliquer à ces laps de temps. Comment? Allons-y. Vivez comme des sages. Vivez comme de ça. Un sage, c'est qui? C'est un homme intelligent. Un homme qui comprend mieux les choses. Parce qu'on nous dit connaître Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quelque part, on nous dit de bien comprendre Dieu. On nous dit de bien comprendre le Seigneur. Parce que nous sommes à la fin des temps. Comprenez bien Dieu parce que nous sommes à la fin des temps. Et qu'est-ce que nous devons faire? Allons-y. Et consacrer vos soirées. Ah, à la prière. Consacrer vos soirées comment? À la prière. Non, consacrer seulement le jeudi à la prière. Consacrer seulement les dimanches à la prière. Consacrer seulement les jeudis à la prière. Hein? Consacrer seulement les lundis à la prière. Mais on dit comment? Vos soirées à la prière. C'est-à-dire que nous pouvons être ici tout le jour, tout le soir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Hein? Montana. Ça passe. Hein? Ok. C'est-à-dire que c'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire que nos prières, nous devons les faire tous les jours. Tous les jours. Si on avait vraiment le temps, et si nous, par exemple, on était un jour président de la République, on ne sait pas, faiseur de loi, comme au Parlement, tout ça, on va dire que nous allons commencer à prier tous les jours. C'est pourquoi vous devez étudier pour que demain, vous puissiez fournir des efforts afin que nous puissions aussi faire des lois qui soient importantes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour rentrer là-bas, il faut la tête. Amen. C'est ça. Si vous n'avez pas la tête, rien. Oh non, je n'ai pas été moi, je serai parlementaire. Mais comment tu vas faire? Mais oui. Tu vas faire des débats pour moi. Parce que tu n'as pas de tête. Parce que, je ne sais pas, mon thème nous l'a rappelé qui a dit, il faut avoir une tête bien pleine, bien faite, qui nous tête bien, bien pleine. C'est-à-dire que, comme nous avons Jésus, nous avons déjà une tête bien faite. Hein? Avec Jésus, on a déjà une tête bien faite. C'est-à-dire que bien faite, c'est-à-dire que c'est la conscience, une bonne conscience. Et Montaigne a dit, je pense Montaigne qui a dit, science sa conscience, c'est une ruine de l'âme. Science sa conscience, c'est une ruine de l'âme. C'est-à-dire que si vous avez la science, vous devez aussi avoir la conscience. Et si vous avez la science sa conscience, vous n'avez rien. Vous allez voter la loi comme ici, de loi des homosexuels. Parce qu'ils n'ont que la science, mais ils n'ont pas la conscience. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit avoir tous les deux. Alléluia. Amen. Appliquez vos soirées dans la vie. Dans la vie. Je ne sais pas si on dit ici, on dit quoi. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée. Et ne vous laissez pas distraire. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par l'argent. Ne vous laissez pas distraire par les choses que nous voyons ici au monde. Ne vous laissez pas distraire par les souffrances. Parce que ce ne sont que des choses passagères.
ça signifie que vous cherchez aussi à avoir beaucoup d'amour. Mm-hmm. Mais c'est ça. Hein? Parce que ça sert à rien d'avoir trop d'amour. Ça sert à rien. Parce que là, c'est vouloir créer trop d'amour. Parce que la Bible dit l'inimitié ou la destruction va commencer dans la maison de son père. Voilà. C'est-à-dire quand on est entouré de beaucoup d'amis là, sachez que vous aurez aussi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand les inimitiés vont commencer, c'est à partir de là. Si tu n'avais qu'un seul ami, un seul problème. Mais quand il y en a cinq problèmes. Ah oui. Chacun avait son problème. Il a dit ceci. Il m'avait parlé. Celui-là, il dit non, tout ça, ça va créer des problèmes. Alléluia. Amen. Mais je ne vous dis pas de vous aller abandonner tous les amis que vous avez. C'est-à-dire que ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. C'est pour cette version ce que ça dit. C'est-à-dire que ne vous laissez pas distraire. Hein? Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Parce que les distraits ne sont pas disponibles pour prier. Amen. Les assemblées d'argent ne sont pas disponibles pour prier. Ils ne sont pas disponibles. Vous savez, l'argent, quand on le cherche, on connaît toujours le chercher. Mm-hmm. Hein? On n'a jamais été satisfait. Jamais. Celui qui a 10 000 euros cherchera à avoir 20. Celui qui a 50 ans cherchera à avoir 100. Celui qui a 1 million cherchera à avoir comme Messie. C'est ainsi de suite. Donc ne vous laissez pas distraire, bien-aimés. Ce monde passera. Après que tout ce que nous voulons, ça passera. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Jésus avait dit, je m'en vais. Vous installez une place. Dès que tout sera terminé, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais quelle belle promesse. Hein? Quelle belle promesse. Est-ce que vous voulez tout perdre et tout perdre cette grande promesse à cause de choses passagères? Non. Dieu nous amène quelque part. Amen. Quand il nous a choisis là, il nous amène quelque part. Il nous amène quelque part. C'est-à-dire qu'il a placé des choses à côté de nous comme des garde-fous, comme des filets, pour que nous ne puissions pas tomber. Ça veut dire la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un garde-fou. La parole de Dieu, c'est pour nous, c'est un filet qui fait en sorte que nous ne puissions pas tomber dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissons parler tous ces crieurs. La parole de Dieu, c'est un médicament. Des antibiotiques, des anti-inflammatoires qui font que même si nous sommes malades, c'est-à-dire que même si nous sommes dans des tourments, dans des problèmes, si nous lisons la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la parole de Dieu, en tant qu'antibiotique, en tant qu'anti-inflammatoire, remonte notre foi dans les épreuves, dans les situations difficiles. Nous croyons que nous allons atteindre l'objectif. Même si j'ai faim aujourd'hui, Seigneur, ça va passer. Demain, je vais manger. Même si aujourd'hui, je ne travaille pas. Mais Seigneur, comme je suis en train de chercher du travail, demain, tu vas me le donner. Alléluia. Et la parole fait en sorte que nous puissions persévérer. La parole fait en sorte que nous puissions continuer à espérer. Parce que l'espérance fait vivre. C'est ça. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Comme je suis en vie, hein, je suis pas encore mort, Seigneur, j'arriverai. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si je suis aujourd'hui, mais demain je vais réussir. Parce que l'échec ne signifie pas que la fin de toutes choses. Non, je peux échouer aujourd'hui, mais demain je dépasse l'étape, j'avance et je réussis. Plus que les autres qui avaient réussi avant moi. Ah, mais c'est ça. Ah, mais oui. Moi je connais une dame. Je connais une dame en Afrique là. Il n'a fait que. Il n'a donné au monde que trois fois. Mais il a 8 enfants. Wow. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais mis au monde un enfant, jamais. Première fois 3, deuxième fois 2, troisième fois 3. 8. C'est ça. Mais toi, pour avoir 8, il faut 8 fois. Mais quoi,
la parole de Dieu, c'est ça. Et la Bible dit aussi que, en dehors de ça, parce que la Bible dit, on lui renvoya la parole et la parole le guérit. C'est-à-dire que la parole réagit sur notre vie. La parole de Dieu fait en sorte que, même si on allait tomber, hein, on allait trébucher, quand on écoute la parole, on revient. On dit que non, 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 je t'adore. Seigneur, merci, je peux, j'ai pas avancé. Et je vais réussir. C'est ça la parole. Et la Bible dit, en dehors de ça, que la parole guérit, que la parole donne la vie, la parole est aussi une lampe à nos pieds. Hein? Là, c'est dans Psaume 119, 100 combien? 5. Hein? C'est-à-dire qu'elle est une lampe. Allons-y rapidement parce que... Samson. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici dans ma Bible, on dit une lumière éclairant mon chemin. Voilà. Est une lampe. C'est-à-dire que le rôle de la lampe, c'est quoi? Hein? C'est d'éclairer. Pourquoi? Pour qu'on ne trébuche pas. Pour qu'on voie clairement. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu sur tes pieds là-bas. Quand tu marches, ton chemin est toujours comment? Éclairé. Même s'il y a des doutes là, ça va enlever toutes les doutes. Ça va enlever toutes les doutes. C'est-à-dire que quand tu marches, s'il y avait même quelque chose que tu ne voyais pas là-bas, quand tu vas mettre ton pied, comme la lumière est sur ton pied là-bas, tu vas voir directement. Même s'il y a un caillou, tu vois. Même s'il y a une pierre, tu vois. Même s'il y a un trou, tu vois. Alléluia. Même si quelqu'un qui pouvait te faire tomber, tu vas voir. Parce que tu as une lampe à côté de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on parle tous ces clients? Moi-même, si vous êtes deux, moi je prêche. Moi je m'en fous de la prédication. Amen. C'est ça. C'est que la parole pour nous est une lampe. Amen. C'est-à-dire que. Je veux comprendre. J'ai dit non, celui-là, ce n'est pas Jésus, c'est ça, c'est le démon. Parce qu'il y a des gens qui viennent toujours comme ça. Parce que la Bible dit, Paul avait dit à. Jean avait prédit, il avait parlé sur le faux prédicateur, les faux enseignants. Même Paul l'a dit à Timothée. Il a dit sur le faux enseignant, le faux prédicateur. Et quand Paul est aussi l'église de Fès, il a dit dans acte 20, on va pas lire ça, il dit moi je m'en vais, je suis pur du sang de vous tous, mais je sais qu'il y aura des loups ravisseurs. Alléluia. Il y aura qui? Des loups ravisseurs. Il les appelle des loups. C'est-à-dire qu'il a dit il y aura deux mouvements. Le premier, ils sortiront de vous, de loups cruels qui ne parleront pas le troupeau. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement sortant de, venant de l'intérieur, du milieu de vous. C'est-à-dire que même là dans l'église, là où nous sommes, il peut y avoir des gens hein, qui viennent toujours pour empêcher que les gens puissent voir la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Ils sont toujours parmi nous. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui descendent de l'Égypte n'est pas tous Israël. C'est-à-dire que dans la marche des enfants d'Israël, il y avait aussi des Égyptiens qui étaient à côté d'eux, qui ont subi la voie des tentateurs.
Les cris des enfants d'Israël, quand ils chantaient là, la pour la gloire de Dieu, ils sont sortis. Mais en cours de route, ils ont commencé à demander des oignons. Hein? Ils ont demandé de la viande. Parce qu'ils ne savaient pas là où les enfants d'Israël allaient. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu lui-même de nous, ils peuvent toujours y avoir. Un frère qui te dit, je vais te marier. Mais commence maintenant à chercher comment il peut commencer à te caresser, faire des choses. Et tu dis que non, mon frère, moi je pense qu'on doit attendre, mais quel mariage on doit attendre, parce que j'ai déjà voté, parce que je ne sais pas si. Alléluia. Amen. Mais c'est ça là. On doit vous le dire. Parce que ce sont des choses qui se passent dans les églises. Dimanche, je vous dirai encore beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui trompent. Il y a des gens qui se déguisent en enfant de Dieu, mais or, il n'est pas enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a trois fiancés, même une fille qui a trois pneus de zèle, comme ça. Mais oui, les sœurs ont des pneus de zèle. Il y en a peut-être de trois ou quatre pneus de zèle. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr de le temps à avoir deux ou quatre, trois fiancés. Je ne sais pas bon, qui va vraiment se présenter, qui va vraiment le faire. Ça, c'est vivre dans le péché. Amen. Mais oui. C'est-à-dire quand le temps, on rassonne. Je vais l'acheter moi tout ça. Si là c'est pour acheter des trucs, c'est là pour donner de l'argent, c'est là pour le crédit, je ne sais pas. Voilà. Alléluia. Amen. Ça c'est du milieu de l'intérieur de l'église. Dis toujours non, tout ça. Vous voulez donner de l'argent, vous voulez quoi? Il y a l'action des grâces. Il y a toujours un petit pasteur à côté. Qui est toujours derrière les fidèles. Toujours. Hein, le petit pasteur derrière les fidèles. Là, on a dit quoi? Lui, apparemment, on dirait qu'il n'entend pas de nouvelles. Il n'entend pas ce qu'on dit à l'église. Il ne suit jamais. Apparemment, il connaît, mais apparemment, on dirait qu'il n'entend pas. Il vient de qu'est-ce qu'il y a? On a parlé, il paraît qu'on a parlé de l'action de grâce. Il sait, mais il vient toujours comme le serpent. Est-ce qu'il vient tout réellement dit? Mais oui. Oui, action de grâce. Toi, tu vas donner cette action de grâce. Et moi je cherche même 200 euros. Hey, 200 euros. Qui va manger ça? Qui va? Lui, il veut savoir cet argent va aller à qui? Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Et c'est ton problème. Mais même si les offrandes que nous donnons ici, hein, ça te concerne pas. C'est vrai. Ça te concerne pas. Qu'est-ce que je peux dire? Hein? Ce n'est pas ton problème. C'est le problème du responsable. C'est le problème du visionnaire. Alléluia. Amen. Oui. C'est le problème du visionnaire. Il peut prendre cet argent, il bouffe, c'est son problème. Mais toi, tu as donné, c'est fini. Aussi longtemps que même ici, je vois que vous ne faites rien, même pour votre visionnaire. Rien. Comme ailleurs, on fait la fin du mois, les mamans viennent avec de sacs de riz, on vient avec de huile, et si vous ne faites rien, alors les contrôleurs aussi, rien. Parce que vous ne faites rien pour votre responsable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dur, hein? Non, ça va. Voilà. C'est supportable. Voilà. Il faut que ça passe comme ça. Parce que nous sommes là pour dire la vérité. Amen. Si on ne vous le disait pas, un jour, on nous dirait que pourquoi vous n'avez pas dit. L'église, vous devez tout faire pour vous chercher à tout faire. Cherchez à tout faire. Cherchez à tout faire. Même toi-même, tu peux te dire, aujourd'hui là, on m'a payé quand même. Qu'est-ce que moi je peux faire maintenant pour bénir l'homme de Dieu? Tu achètes, c'est pas un sac de 50 kilos, tu achètes tout ça de riz, tu viens. Tu viens avec. C'est vrai, bien-aimé. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a un mouvement qui vient de l'extérieur. On dit, ils s'introduiront au milieu de vous, des loups ravisseurs. Il y a des loups crieurs de l'intérieur et des loups ravisseurs qui viennent du dehors. Il y a des gens aussi qui viennent du dehors comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils s'introduisent, ils viennent avec des faux mouvements. Là, ce sont des gens qui suivent, qui suivent de maman et peu, parce que la Bible parle surtout de femmes dans les maisons. Pour prendre captif les esprits faibles. Quand tu continues toujours à toujours ça, ça se passe toujours dans les maisons. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est une lampe à améliorer. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais te trébucher devant de tels problèmes. Alléluia. Alléluia. Jamais te trébucher. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. J'avais encore un verset que j'ai écrit ici. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Allons-y rapidement. Nous allons terminer, puis nous allons prier. Je lis la parole du Seigneur. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. 2 Pierre. 2. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la nous parole. Considérons d'autant plus certaine, nous considérons la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, voilà, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, voilà, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ok. Est-ce qu'il y a une Bible là ou une autre, non? Ici, on me dit encore, de plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fortement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Alléluia. C'est-à-dire que la parole du prophète est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Là, nous avons dit d'abord que la parole est une lampe à mes pieds. Mais si on dit que la parole c'est la Bible, alléluia. Amen. Mais si on dit encore que la parole prophétique, or, la vraie parole prophétique, la plus grande parole prophétique, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la prophétie. Ça, quand on dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est une prophétie. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est une prophétie. Alors on dit quoi? C'est bien parce que vous avez prêté attention à cette parole de prophète. Parce que elle est la parole du prophète, la parole prophétique. Elle est une lampe qui brille dans un lieu commun obscur. Mais si une ampoule brille ici, s'il fait noir, même si tu es loin, tu verras la lumière. Tu verras que tout là, il y a une lumière qui est en train de briller. C'est ça la parole prophétique. Dans les souffrances, la parole brille. Alléluia. Dans le problème, la prophétie brille. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que as-tu déjà reçu même une révélation de la part du Seigneur? Ne fût-ce que peut-être par songe, ne fût-ce que peut-être par prophétie, ne fût-ce que peut-être par voix intérieure, ou ne fût-ce que par oreille, je ne sais pas. Ou par voix audible, ou par vision. Mais restez attaché à la parole prophétique. Car la Bible dit que ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Même si ça traîne, ça va toujours s'accomplir. Même si ça ne vient pas, ça viendra bien aimé. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais demain tu verras. Parce qu'il y a une lampe qui brille là, devant ton problème là. C'est la parole prophétique. La parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit déjà dans ta vie?
crois pas? Pourquoi tu ne penses pas que ça va arriver? Pourquoi tu ne penses pas que Dieu va te le donner? Pourquoi tu ne penses pas que Dieu peut te donner de documents? Alléluia! 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 Il y a quelqu'un qui m'a dit ici, il a dit que non, bon, pasteur, il venait d'arriver. Donc, il y a même des hommes de Dieu qui lui ont dit, ici en France, on ne peut pas te donner de document si tu vas pas, tu ne cherches pas une Française là avec qui tu peux faire même un enfant, tout ça. Mais qui te dit ça? Est-ce que nous sommes du monde ou nous sommes de la nation de Dieu? Nous sommes chrétiens ou nous sommes qui? Bien-aimé, rien n'est possible à Dieu et tout est possible à Jésus. Alléluia! Chacun a son chemin, chacun a son parcours. Hein? Si l'autre a échoué, l'autre n'est pas moi. Moi, je suis moi, tant que moi. Alléluia! C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement aller faire, pourquoi? Parce que les autres le font. Mais tu as ton parcours. Alléluia! Amen. Qui te dit que parce que tu es diabétique, tu vas mourir? Hein? Qui te dit? Qui te dit que parce que tu as le sida, tu vas mourir? Qui te dit? Hein? Qui te dit? Alléluia! Amen. Qui te dit? Qui te dit que parce que tu n'as pas étudié, tu ne vas pas devenir? Qui te dit? Hein? Qui te dit? C'est-à-dire que tu n'as pas étudié, ce n'est pas ta faute. C'est un parcours qui a fait que tu ne puisses pas étudier. Mais l'avenir n'appartient pas aux hommes. L'avenir appartient à Dieu. Parce que nous prions un Dieu fort.
gloire à son ministère. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous, hein, toi, tu crois à son ministère. Alléluia. Amen. Parce que si vous ne croyez pas, vous allez toujours rester comme ça. Il faut que vous croyiez. Yes. Hein? Si vous croyez, tout ce que Dieu a déposé dans sa vie te reviendra aussi. Amen. Ton fils, bien-aimé. Parce que ça va de père à fils. Mais c'est ça. C'est ça. C'est la même manière que nous recevons de nos parents à travers le sang. C'est la même manière que nous recevons spirituellement de nos parents spirituels. C'est ça. Vous allez le recevoir. Amen, amen. Pour terminer, à Samarie, qu'est-ce qui s'était passé? On va pas lire ça. À la maison, vous allez lire. Deuxième voie 6 et 7. Il y a une crise terrible. Hmm? Pire que la crise qui sévit aujourd'hui le monde. Qui sévit même la France aujourd'hui. À tel point que on commençait même à manger les enfants. Hmm? Un jour le roi passe et est en train de visiter comment les gens vivaient parce que avec cette famine-là. Il se trouvait devant une femme qui lui dit, roi, si tu ne me donnes pas la solution aujourd'hui, je ne sais pas où je meurs, ou je ne sais pas comment il y aura des problèmes difficiles ici qui vont se passer. Le roi lui dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a quoi? Non, mais cette dame-là, on s'était entendu qu'on puisse d'abord manger mon fils. Nous avons mangé mon fils, et maintenant c'est à son tour de pouvoir donner son fils, il ne veut plus. Et maintenant, qu'est-ce que moi je veux faire? Le roi dit, bon, comme cela est ici, si tout cela arrive comme ça, c'est à cause de cette famille. Mais il y a quelqu'un qui nous devons toucher. Parce que si la famille s'aggravait toujours, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Mmh. Alléluia. Oui. Le roi a compris que la solution ne viendra pas de lui. Mmh. Alléluia. Mmh. Et si le roi dit, comprend ça, et le peuple a plus forte raison, comment ils ne pourront pas comprendre? Il dit, il envoie son émissaire à tout ceux qui l'avoir trouvé qui Élisée le prophète pour qu'il puisse décanter la situation. Mais l'émissaire va trouver Élisée. Je dis ça brièvement. Alléluia. Arrivé là-bas, Élisée lui dit, non, demain à la même heure. Demain. Aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui c'est vendredi, non? Mais on dit demain à la même heure. Vous allez acheter un sac de 5 kilos de riz qui est à 10 euros aujourd'hui, demain vous allez acheter à 1 euro. Non. C'est pas vrai. Le sac de semoule, c'est pas combien? Truc de semoule, on va à combien? 5 euros. Demain vous allez acheter ça à 50 centimes. Ah. Le ministère du roi dit, même si Dieu perçait de tout, dans ma Bible on dit perçait de tout. Dans notre version on dit, si même Dieu ouvrait les églises de ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Mais qui veut se comparer à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant? Qui veut se comparer? Un homme qui est-il pour limiter Dieu bien-aimé? On ne peut pas limiter Dieu bien-aimé. Jamais. Il est le Dieu de tout puissant. C'est lui qui a fait la mer rouge en deux, bien-aimé. Yes. Hein? Et Isabelle, c'est l'autre, ça fait ça, bien sûr. Quel est qui est cet homme pour dire que Dieu ne pourra pas? Mais ne limitez jamais le Seigneur d'amour. Ne limitez jamais. Là où les autres ne peuvent pas passer, toi tu passeras. Amen. Parce qu'il y a le plus grand en toi, bien-aimé. Amen. Tu passeras. Avec Dieu, nous ferons de désespoir. La Bible dit, nous devons prier, demander à Dieu, et il vous sera donné. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, comme nous le faisons maintenant. Alors, comme nous le faisons, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous sommes en train de chercher Dieu maintenant. Mm-hmm. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? N'est-ce pas de chercher le Seigneur? Amen. Mais pourquoi ne peut-il pas nous écouter? Pourquoi il ne peut pas nous donner? Parce que c'est notre Père. Amen. C'est notre Père. Même tu as quel problème,
Amen. Tu ne dis pas amen. Amen. Il faut dire amen. Quand il faut dire amen pour une bénédiction, on tape amen, donc ça sort comme un solo, donc une guitare basse. Amen. Amen. Amen, oui. Et c'est comme ça que le miracle entre. C'est comme ça qu'on attire le miracle. Amen. C'est que le miracle cherche là où il est en train de voir qui me veut, qui me cherche. C'est comme ça. Il est là, il est en train de chercher là. Mais quand il voit une prédisposition là, il vient, il commence à venir ici, il voit une prédisposition. Amen. Mais s'il ne trouve rien. Yes. Il n'y a personne qui me veut là. Il est venu directement, il m'a dit, pasteur, moi je vais être béni. Ah! Parce que dis seulement, moi je vais être béni. Ah! Tu veux être béni. Tu fais, qu'est-ce que tu fais? Non, non, moi je vends de maïs. Ah! Je vais toujours au port là aller chercher du maïs. Tu en as combien de sacs? Moi je n'ai que deux sacs. Et tu veux que je prie pour que tu deviennes. Oh non, moi je vais aller maintenant. Moi je vais devenir un fournisseur, une fournisseur au féminin, une fournisseuse. Une fournisseuse de maïs. Deux sacs. Fournisseur. C'est-à-dire qu'il faut d'aller sans sac. Hein. Me dit Seigneur, fais grâce. Comme elle a quitté là-haut, sa chaise, elle est venue ici. Cette fille qui a besoin de miracle. Amen. Tu n'es pas pour ce qu'on cherche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cette femme-là, il est aujourd'hui dans les mille salles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il m'a même appelé ce jour-là. Il a dit, pasteur, j'ai quelque chose ici à te donner. Il y avait un problème là au pays. Je dis, que maman, tu dis que je donne combien? Ça veut dire que quelqu'un te demande comme ça combien. Bon, tu peux pas aussi trop dire parce que. Moi aussi, un peu bizarre. Ça veut dire que ah, mais c'est ça. Faut être parfois humain. Mais c'est sage. Sage, voilà. Parce que l'autre jour, je ne peux pas te demander. C'est que tu prends les gros morceaux là. Maintenant, il faut être prudent. Après, parce que je lui ai demandé, il a dit 1000. Mais maintenant, alors, il faut que moi-même je vous dise que. Donc, bien nommé, Dieu fait grâce. Amen. Et le demain, Dieu a fait grâce. Comment est venue la solution de ça? D'une manière exceptionnelle. D'une manière extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que d'une manière impensable, si je peux, c'est pas encore d'une manière comment, inexplicable, d'une manière incroyable, d'une manière impossible, d'une manière encore comment, miraculeux, d'une manière comment, inattendu, inattendu, d'une manière comment, bizarre, spécial, compliqué. Ajoutez encore ce que vous voulez. D'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y avait 4 lépreux déjà rejetés, bien aimés. Vous savez, si parfois on est rejeté dans la société, c'est une bonne chose. Voilà, mais Dieu, c'est parfois, si on est rejeté dans la société, c'est une bonne chose. Sache que si on te rejette, hein, parfois, Dieu est en train de te préparer. Il prépare d'avance. Même si on te refuse le document,
les Syriens. Alléluia. C'était difficile. Il n'y avait ni entrée ni sortie. On ne pouvait pas importer, on ne pouvait même pas exporter. L'économie était tombée en faillite. Plus rien à manger, plus rien à vendre. Mais les quatre épées se sont dit, ni nous ici, nous avons faim. Et comme nous avons faim là, nous risquons de mourir ici. Mais or là, il y a des Syriens qui ont de la nourriture. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Autant aller les rejoindre là-bas. Si il nous faut mourir, tant mieux. Et même si nous restons, nous allons mourir. Autant que nous puissions mourir là où il y a des gens, là où il y a la nourriture, bien-aimés. S'il faut nous rejeter, qu'il nous rejette. Amen. Mais il faut parfois prendre une décision ferme. Amen. Allez, si on va te tuer là-bas, on te tue. Amen. À ce moment-là, il est en train de jouer entre la parole du prophète et les quatre lépreux. C'est que Dieu va apporter une solution, mais comment? À la parole du prophète, à ce que le prophète César a dit. Dieu est en train de voir maintenant. Parce que le prophète César t'a dit que demain tu vas devenir. Mais ne va chercher comment tu vas devenir. Bien-aimé, pasteur, s'il faut prophétiser, prophétisez. Amen. S'il faut dire, dites. Parce que la réalisation ne dépend pas de toi. Cela dépend du Seigneur. Si c'est demain, ça part, ne dépend du Seigneur. Si c'est après-demain, ça dépend du Seigneur toujours. Amen. Mais nous faisons seulement prophétiser pour le peuple de Dieu. Prions pour le peuple de Dieu. Le miracle, c'est Dieu qui va faire. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ma charge. Moi, si je dis qu'aujourd'hui tu vas seras béni, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais que ce que le Seigneur va demander de faire. Amen. Le reste des choses, c'est Dieu lui-même. Amen. Ne craignons pas. Le problème des hommes de Dieu, c'est la crainte aussi. La crainte de dire si cela ne va pas se réaliser. Mais ce n'est pas mon problème. Amen. Moi, je cherche des problèmes pour Dieu. Je me crée des problèmes. Ah, mais c'est ça. Le rôle du ministre est de créer des problèmes pour Dieu. Il a dit que vous me créez, vous ne me créez pas de problèmes. C'est pas bon si je n'agis. Ah! Oh, si cela ne se faisait pas. Est-ce que ce sera pas mon rôle? C'est Dieu lui-même qui sera au Dieu là. Dieu entre en scène. Dieu entre en son exercice. Il commence maintenant à travailler. Dieu, comme Dieu, c'est comme un dentiste. Hein? C'est-à-dire que ceux qui jouent au jeu de dames. C'est-à-dire que quand il est là, il est en train de regarder. Vous jouez, lui il est en train de boucher le tour. Mais en poussant des pions, il sait que celui-là, c'est le pion le plus. C'est pas le plus fort, le plus, il est en train de créer des trous partout. C'est, Dieu aussi est comme ça, il pousse, il crée des trous de vie. Lorsqu'il va lancer là, il sait que je vais manger 5. Même si tu dors, tu bouffes. Mais attends-toi, il y a une direction. Ces quatre lépreux sortent de leur camp. Ils sont en train de venir. Or, en venant là, Dieu est en train de faire entendre le bruit des quatre lépreux comme le bruit des chars de combat. Dans les camps des Syriens. Alléluia. Amen. Donc ils mettent, ils sont en train de se tiennent comme ça. Parce qu'ils ne parviennent pas à marcher. Ils devaient se tenir. Quand ils font un pas comme ça, là on entend et un bruit de chars de combat. Il faut parce que moi je pas bien. Donc, sauf les lépreux. Alléluia. Alléluia. Ils ont tout
Mais après, quand ils viennent dans les camps des Israéliens, ils trouvent donc aucune personne, aucune voix humaine. Ils trouvent qu'il y a de la nourriture, il y a des vêtements, ils peuvent appuyer un peu partout, il y a des chars de combat, il y a tout ce qu'ils ont laissé. Alors ils se sont dit que non, voilà, aujourd'hui, c'est une journée de la bonne nouvelle. Il a envoyé des émissaires. Bien-aimé, lors de ta bénédiction, les gens ne croiront pas. Amen. Alléluia. Lors de toute l'élévation, les gens ne croiront pas. C'est vrai. Le Dieu de toute grâce fera en sorte que le miracle te suive. Amen. Le Dieu de toute grâce fera en sorte que les gens témoignent. Ils diront que nous avons vu cet homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Maman a dit il est vivant. Nous avons vu cette femme au temps de laisser un enfant. Mais regarde aujourd'hui. Après ce salon des chimons, après, il faut que ça vienne. C'est la parole du prophète. Amen. Ne soyez pas distrait, parce que nous allons chanter.